Donc bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui c'est pour vous faire une vidéo sur Alexandra les Lumières 3D. Donc j'ai déjà fait une visite sur ce jeu il y a un moment déjà, et j'ai décidé de faire des mini let's play pour vous présenter un peu la partie. Donc on va faire une nouvelle partie ensemble. Donc je vais vous montrer la boîte. Donc je vais m'aider de la lumière de la 3DS parce que j'ai tout éteint et je n'ai pas de lampe à côté. Donc voici la boîte. Donc ma DS ne produit pas beaucoup d'effets, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc voici la boîte. Donc je trouve ça très sympa. Voilà, bref, voilà, nous allons commencer. Alors j'ajuste bien pour que ce n'est ni trop loin ni trop près. Voilà, donc je vais... Attendez une seconde, je vais couper le son de mon téléphone parce que si jamais il se met à sonner pendant que je fasse la vidéo, ce serait un peu bête. Du coup, voilà, je vais le mettre en discret. Bref, on s'en fout. Alors, je vais démarrer la partie. Voilà. Donc voilà, donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo où je parle. Parce que vous avez bien appris à propos du centre équestre. Et ça m'a beaucoup déprimée. J'ai pleuré en moi pendant 4 semaines. Et voilà, j'ai été en moment de dépression. Du coup, j'essaye de pas passer à autre chose, non, mais d'essayer de faire maximum pour essayer de m'en remettre, même si c'est très dur. Donc je vous ferai une vidéo des nouveaux chevaux du club, et ouais, il y a une nouvelle propriétaire, des nouveaux chevaux. Donc il y a quelques chevaux de 120 qui ont été vendus à la nouvelle propriétaire, malheureusement Blacky ne fait pas partie de ces chevaux là, et il y en a d'autres qui n'existent non plus. Donc il n'y a que quelques-uns. Donc nous allons supprimer une partie. J'ai cru que j'avais déjà fait, mais non apparemment. Donc j'ai supprimé une partie, je n'avais pas terminé, je n'ai pas le choix. Je suis un peu déçue de l'avoir supprimée, mais bon, c'est pas grave, je vais m'en faire, c'est qu'une partie, et puis je peux m'en faire des milliers. Enfin, j'en ai 3 parties, mais si je veux refaire une autre partie après avoir fini ces essais, je peux recommencer, bien sûr. Bref, donc on est dans le menu du jeu. Donc le menu se présente comme ça. Donc je fais une petite mini présentation d'abord du jeu. On a ma toute première partie avec Tennessee, je vous avais montré. Léa, donc ça c'est une nouvelle partie que je viens de commencer, et la nouvelle partie que je viens d'effacer. Donc on a des possibilités de cadeaux, mais bon, je n'ai jamais rien compris, j'ai eu des codes, mais bon, ça marchait pas. Et puis les options, changer de langue, voir le crédit, mais bon, ça en fait. Donc on va démarrer la nouvelle partie. Donc quand on démarre la nouvelle partie, il dit, t'as un petit quiz. Quel est ton sport préféré équestre? Donc moi c'est l'obstacle. Quel est ton style vestimentaire? Donc il y a des contractés. Attendez, je vais pas trop présenter. Alors il y a la voltige, l'obstacle, le dressage et le cross. Moi c'est l'obstacle que j'aime. Là on a des contractés, tendance et discret. Moi des contractés. On a le violet, le bleu ou le jaune. Moi c'est le bleu. La musique, bon, t'as rock, street ou pop. Bon, pop, c'est plus joli, j'ai toujours pris pop, parce que c'est pas vraiment mon style, mais bon. Bon, ensuite, là, tu as à choisir entre des couleurs, et là, on voit un autre perso. Donc, alors, court, c'est ça, long, c'est ça, et avec les cheveux attachés, ça fait ça. Donc, moi, je vais prendre celle-là. Mais moi, je peux pas tourner pour voir. Et je suis plutôt blonde, moi. Ça, c'est roux, mais ça peut faire, parce que moi, je suis pas archi blonde, donc... Mais bon, c'est pas grave. Alors, on a couleur de peau, soit de cette couleur, soit un peu plus... Bon, j'ai pas besoin de vous. Je vais vous dire comme ça. Donc, on est un peu plus foncé, un peu plus clair, totalement noir, et un peu bronzé. Donc moi je vais prendre un peu pas trop blanche quand même. Alors on a les yeux orange, les yeux noirs, les yeux gris, les yeux bleus, les yeux verts et les yeux violets. Moi j'ai les yeux bleus. Voilà, la bouche, on a quoi de couleur? Rose, rouge, marron et violet. Je vais les laisser nature, hein.
Je m'appelle Léa. Voilà. Hop, donc maintenant c'est au cheval. Donc on a l'Alcalteke est un cheval polyvalent originaire de Turkménistan. Donc on a soit l'Alcalteke de cette couleur ou soit celui-là. Donc on a le doré et le alazane cuivré. Donc je ne vais pas prendre un Alcalteke, je pense. Alors ensuite nous avons la Palosa. La Palosa est un petit cheval robuste originaire des États-Unis. Donc nous avons cette couleur ou alors comme ça. Nous avons Blanquet Alzan et Léopard. Ensuite nous avons le Hanovrien est un cheval de selle issu de la nord de l'Allemagne. Donc nous avons Bébrun et Noir. Ensuite, nous avons le Mustang. Le Mustang est un cheval sauvage originaire des États-Unis. Nous avons Isabelle ou Tobiano. Ensuite, nous avons le Purse Anglais, est un cheval de course avant tout. Donc nous avons le blanc et le gris foncé. Le Purse Arabe est un cheval vif et extrêmement courageux. On a le bai et le gris. Le Quarter Horse est un cheval nord-américain, trapu et cotac. Palomino ou Ruan. Ensuite, nous avons le steppe français est puissant et idéal pour le saut d'obstacle. Donc, nous avons le Alzan et le chocolat. Donc, si j'aime l'obstacle, ce cheval est idéal pour le faire. Donc, en sachant que ce jeu, quand tu prends une discipline, par exemple, tu prends le cross, je vous conseille de prendre le Purse Arabe parce qu'il est avant tout pour la course. Il est super. Et si vous aimez l'obstacle comme moi, vaut mieux prendre un steppe français. Parce que comme sa distribution le dit, il est super pour l'obstacle. Donc ça serait un de cette couleur-là ou un de cette couleur-là. Moi, je prendrais un des deux, je pense. Je tenais à prendre le Palomino comme ça. C'est un cheval trapu et compact. Donc je sais plus qu'est-ce que ça veut dire trapu. Donc voilà. Compact, je crois que ça veut dire qu'il tient assez, qu'il a de l'endurance. Et je ne suis pas sûre, mais... J'aurais bien aimé prendre le Palomino, je ne suis pas sûre, mais c'est vrai que ça m'arrangerait plus de prendre le Purse français pour l'obstacle. Parce que je crois que ce sera bon, en fait c'est pareil, donc il y a juste la couleur qui change. Le cheval est pareil, même si c'est la race qui change aussi. On va prendre le Palomino, hein, je ne vais pas faire un petit. Donc on va prendre, on a entre choix mâle et femelle. Bon, ce coup-là je vais prendre une femelle, parce que j'ai plutôt l'habitude de prendre un étalon. Ah mince, son nom, je n'y ai pas réfléchi avant de faire cette vidéo. Donc, comment nous allons appeler notre jument Palomino? Bonne question. Aïe, aïe, aïe. Faut que je trouve un nom. Oh, je vais l'appeler Tinka. Bon, c'est le premier nom qui m'est vraiment venu à l'esprit. Hein. Donc voilà, ils nous demandent, alors ils font ton profil. Changer de personnage, changer cheval, refaire le quiz. Donc voilà, donc là ils nous montrent comment on sera présenté. Donc moi j'ai marqué je suis d'accord. Donc ils me disent attention, une fois le ton profil créé, tu ne pourras plus le modifier. Continue. Donc moi je vais continuer parce que je compte pas modifier mon profil. À chaque fois que je fais ça, je n'ai jamais modifié mon profil. Donc chapitre 1, job d'été. Donc on a des petites introductions. Alors, journal de Léa. Je suis de retour après 5 longues années. Tout a l'air différent à part cet incroyable parfum qui flotte dans l'air. Tout va très vite. Je vais rencontrer ma nouvelle boss, Elisabeth. C'est génial de travailler pour une vraie garde forestière. Et je suis trop contente d'avoir repris contact avec Jeannette. Elle n'a pas l'air d'avoir trop changé. Ces emails me font toujours
Mourir de rire, j'ai hâte de la retrouver sur notre ancienne plage. Je ferai mieux d'y aller. Donc là, nous allons avoir une petite introduction. Donc les vidéos, je vous les laisse. Moi, je les regarde tout le temps quand je refais une partie. Je les adore parce que j'adore regarder les cinématiques. Je trouve ça très sympa. Voilà. Donc... Donc on voit un papillon, oui. Ne vous inquiétez pas, on va pas chevaucher un papillon, je vous rassure. Donc là, on a un cheval. Et là, on a moi qui arrive. Et là, vous allez voir mon cheval et Elisabeth. Alors, vous voyez que les graphismes sont super bien faits. Moi, franchement, je suis très heureuse d'avoir ce jeu, même si je l'ai depuis un certain temps. Je l'ai depuis un bon moment, on va dire, pas trop longtemps non plus. Voilà. Bon, elles seront pas très longues ces vidéos, hein, je vous dis tout de suite. Bien, tu dois être Léa, j'espère que tu es prête à travailler dur. Bien sûr, c'est un honneur de vous rencontrer. Bien, tu vas m'assister dans mon travail de garde forestière. Tu vas voir, c'est une région fabuleuse si on aime les chevaux. Je sais, quand j'étais petite, je passais mes vacances ici. Quel plaisir de revenir. Merci beaucoup et quel magnifique cheval. Voici Tinka, beaucoup de caractère mais une perle quand on sait le prendre. Et si vous allez vous balader ensemble pour faire connaissance? Donc là, je vais monter sur mon cheval, enfin sur le cheval de Elisabeth. Donc là, on m'explique. Donc pour accélérer, c'est Y. Donc je vous dis tout de suite, je sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Tourner, voilà, c'est avec le particulier. Et pour arrêter, il faut tirer en arrière. Donc oui, je connais déjà le jeu, mais je fais en même temps que vous pour que voilà. Donc il me dit qu'il y a 4 allures, etc. Voilà. Donc on me demande d'aller suivre les traces blanches par terre. Pour aller près d'un champ, donc on va aller au petit galop. Parce que c'est un peu lent. Enfin, après, enfin, c'est pas lent, mais je veux dire que trop, ça va passer un peu plus de temps. Et je n'ai pas tout mon temps. Donc voilà. Donc on va continuer. Bon, d'accord, mon cheval décide déjà repartir au trot. Donc oui, comme vu que je fais la vidéo, j'ai perdu l'habitude de donner 2 coups de talon à chaque fois. Parce que voilà, bon. Alors, on est là, donc essaie d'aller au galop. Ben, j'y suis déjà. Voilà, ils disent j'y suis déjà. Maintenant, ils vont me demander de faire 5 secondes au galop allongé. Donc voilà, nous allons faire du galop allongé. Donc voilà, c'est l'allure, la dernière allure que tu peux faire sur son cheval. Alors, ils nous disent que la barre en haut, là, vous voyez, donc c'est une barre de fatigue. Donc le rythme, ça dit jusqu'à combien de temps tu peux galoper allongé. Et si elle devient rouge, il faut que tu retournes ton cheval au trot. Ou alors tu l'arrêtes si tu préfères pas perdre de temps. Moi je le remets au trot, je fais attendre au trot, j'attends que la barre se remonte et je remets au galop. Pour qu'il reprenne de l'endurance. Donc voilà, on voit, donc je vais reprendre au trot. Vous allez voir que la barre, elle va. Bon. Après ils me disent que c'est pas une machine. Donc ils me disent qu'il faut que j'aille trouver un abreuvoir pour désaltérer mon cheval. Donc cette fois, on va aller au grand galop. Enfin au galop allongé comme ils appellent. Et merde, oui non mais je vais sur le bon chemin. Alors je serai pas perdue parce que quand j'ai fait la présentation, j'étais assez perdue parce que je l'ai regardé. Je me suis dit c'est une catastrophe comment j'étais perdue avant, comment je connaissais vraiment pas les lieux. Et c'était vraiment embêtant. Maintenant, je vous rassure, je sais par cœur la carte pratiquement. Et parce que j'ai recommencé des centaines de parties parce que voilà. J'ai fait plusieurs parties pour avoir plusieurs différentes races de chevaux, couleurs, etc. Voilà, donc je n'ai pas eu le cœur à supprimer la première partie parce que franchement, j'adore cette couleur et Tennessee, voilà. Donc je supprime que les 2 dernières parties que voilà qui sont jamais, qui tiennent pas trop. Donc voilà, je retourne là. Par exemple, là, on n'a pas le droit d'aller galoper plus vite, donc on va aller à l'abreuvoir boire un petit coup, faire boire notre cheval plutôt. Voilà, on peut voir que les cinématismes et les graphismes sont super bien faits. J'étais vraiment contente quand je l'ai. Bon, je suis toujours contente, mais je veux dire que quand je l'ai eu, quand j'ai joué au jeu, j'étais en train de me dire, putain, c'est les meilleurs graphismes, j'ai jamais joué à un jeu pareil. En même temps, c'est 3D, donc
Voilà. Donc je jouerai pas en 3D parce que ça va nous donner ça. Et puis moi, quand je joue moi-même, je ne mets jamais en 3D. Je préfère jouer en 2D parce que 3D, il faut rester fixe. Parce que si tu te mets à gauche, tu vas voir double. Si tu mets à droite, pareil. Il faut rester fixe et ça m'énerve. Et ça me fait mal aux yeux. Donc moi, non. Voilà. Ce cheval est incroyable. Merci beaucoup. Tu as réussi à gagner la confiance de Tinka. Je suis impressionnée. Vous n'avez qu'à passer le reste de la journée ensemble et visiter le coin. Par ici, tous les chemins sont ouverts aux chevaux. Tinka sera ton meilleur ami. Tu as sans doute envie de voir le vieux centre équestre. Prends ton après-midi, mais sois de retour à 17h pour débarrasser ta chambre des affaires qui y traînent. Ça me ferait très plaisir, merci, je reviendrai à l'heure, promis. Bien, Tinka, allons retrouver Jeannette sur la plage. C'est parti. Donc, malheureusement, je vais vous quitter ici. Donc, nous avons fait un petit tour déjà sur le jeu. Mais je vais faire la deuxième partie de suite, mais je dois aller manger, du coup je vais laisser la partie où on en est. Et du coup je ferai la deuxième partie juste après. Voilà, pour pas que les vidéos soient trop longues, et puis voilà. Bon bah on se retrouve pour la deuxième partie, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.